Et salut tout le monde, c'est Jack Benef, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Blade & Sorcery. Au programme du jour, on va tout simplement devenir Flash. Ça va être un mode vraiment poussé Flash, vous allez le voir directement. Regardez-moi ça, on va équiper, hop là on l'a vu. Regardez-moi cette ombre, et tac, il a l'armure. Hop, regardez-moi comment on a équipé toute la combinaison. Il y a plusieurs combinaisons de Flash, donc ça c'est vraiment vraiment stylé. Et bien sûr, dit Flash dit forcément pouvoir de Flash, forcément c'est Blade & Sorcery. On a toujours pas mal de petites surprises hein. C'est une boule qui fait comme ça, mais le problème c'est que bah je comprends pas son outil. Ah bah c'est comme ça en fait. Bref, en tout cas n'oubliez pas le petit like hein, bien évidemment. On va tous liker ensemble dans 3, 2, 1, let's go. Et de notre côté on a aussi pas mal d'autres trucs. On a des armes tout simplement. Alors vous allez me dire Blade & Sorcery, mais c'est incroyable, c'est tout à fait nouveau. Et oui en effet ça y est, les guns sont arrivés sur Blade & Sorcery. Alors c'est arrivé quoi. Comme vous pouvez le voir, on a un pistolet qui est totalement fonctionnel. On va se garder ça de côté hein. On a bien évidemment toutes les choses des vidéos précédentes comme à chaque fois. Et pour commencer on va commencer doucement. Regardez moi déjà ce petit effet. Alors le truc c'est qu'il faut que le maintienne de mémoire. Voilà, parfait. Ok, là, comme vous pouvez voir, on est vraiment au ralenti. Mais je peux quand même, hop, donner, vous voyez, des bons coups de poing quand même. Donc, normalement, on est censé être vraiment sous, là, le mode flash. On va pas ultra vite, mais du moins, on va au ralenti. Résultat, on peut tout esquiver. On a la super force de flash. Donc, voilà, et hop, là, ça revient normal. Il y a d'autres armures bien stylées. Je crois que c'est celle-ci. Voilà, alors, ça, c'est l'ancienne. Nickel. Et celle-là. Ah ouais, ça, c'est celle d'avant. Et je crois que c'est celle de la série. Attends, non. Celle-là, c'est peut-être celle du film. Et celle-là, celle de la série. Je sais plus exactement. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est elle, celle de la série. Et celle que j'ai actuellement, c'est celle du dernier film sorti récemment. Et normalement, elle, je peux. Voilà. Elle, on peut activer des trucs électriques comme ça. Regardez, j'ai même les lasers qui me suivent derrière. Vraiment. Wow, wow, putain, j'ai failli me casser la gueule. Par contre, je pige pas pourquoi il y a des sortes de. Enfin, pourquoi j'ai des protections sur le bout des doigts. Attends, mais en gros, si je tape assez fort, hein, je peux phaser un peu. Je sais pas si vous savez, dans la série, peut-être dans le film, je peux faire comme ça et il peut phaser. Est-ce que. Oh, je vois, je vois, je vois. On va commencer direct assez agressif avec 3 ennemis à chaque fois. Je sais pas ce que ça va donner, mais l'important c'est de pouvoir tester les pouvoirs. Là, on va donner un coup de poing simple. Est-ce que, attends, mais j'arrive pas à te donner un coup de poing. Oh. Ok, j'ai l'impression que j'ai des pouvoirs. On y va tranquillement mais sûrement. Ok. Attends, putain, même pas où ça. Pourquoi je peux pas te. Pourquoi. Attends, mais elle prend pas les coups. Pourquoi elle prend pas les coups. Non, mais c'est trop. Je mets des droites de merde ou quoi. Est-ce que peut-être dans le corps. Peut-être plus. Est-ce que. Mais attends, même dans le corps. Ok, bon, pour l'instant, ils prennent rien comme dégâts. Mec, c'est mes doigts de crapaud, regardez-moi ça. Ok, là maintenant. Wouah. Ok, j'ai définitivement un boost quand j'ai cul comme ça. Laisse-moi te choper. Ok. Non, ça a pas marché. Ça va être à toi. Ok. Oh, je peux pas les lancer trop loin non plus. C'est exactement ce que je voulais. Wow. Oh non, c'est pas ce que je voulais te lancer sur elle. Oh, on va tester un truc, peut-être des gros uppercuts. Attends, des gros uppercuts, ça marche pas. Non mais attends, mais ils sont trop résistants. Pourquoi je peux que les mettre KO comme ça. Je peux que les mettre KO en les envoyant dans le décor. C'est parce que Flash c'est censé être un gentil. Mais regardez ça, je l'ai à peine touché. Ok, attendez, on va stopper cette mascarade. Je pense que notre armure avait un problème et était cassée. Attendez, on va refaire ça. On va faire des 1v1 sur des bandits. Ça risque d'être mieux normalement, c'est du moins plus logique. Voilà, là parfois on a le ralenti. Donc là je suis en mode Flash. Oh. Ah, voilà. Voilà, ça c'est Flash. Là, j'aime bien. Mais je ne peux pas, en fait, donner des coups de poing. Mais attends, mais en fait, mon jeu est bugué. Oh non. Ok, faut vraiment que je sois, en fait, dans les modes ralentis. Donc, on va se mettre dans le mode ralenti. Hein. Et là, j'arrive. Ça va faire un énorme uppercut. Oh oui. Là, j'ai compris. Regardez, je vais juste arrêter de me casser la tête. Tac, esquive. Hop là, l'esquive. Oh, le ralenti que j'ai mis. Est-ce que là, si je cours comme ça. Boum. Attends, on va essayer de la réceptionner. Boum. Oh là là. Le double uppercut. Attention, est-ce qu'elle a besoin de plus. Ok, elle a besoin de plus. Voilà, parfait. Oh, oh. Wesh, là vraiment j'ai joué avec elle. Ok, cette armure de flash, c'est la meilleure. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. J'ai la téléportation ou quoi. Ok, je lève ce gros caillou. Attends, faut que je lève ce gros caillou. Hop, le truc c'est que j'aimerais taper le caillou. Ok, parfait, voilà. On s'aligne. Moins fou que ce que je pensais. Ok, on va se protéger de la boule de feu avec la cagette. Nickel. Et là. Oh. Ok, là j'ai cassé la cagette. Mais j'ai aussi cassé mon mur là. Non, c'est trop. Oh, je viens de donner un uppercut dans mon mur. Ok, là on était peut-être un peu trop dans le jeu, honnêtement. Mais attends, déjà, c'est vrai, il y a ça. Oh, c'est incroyable. Donc là j'ai un gun. Oh, ça les one shot en plus. Ok. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une portée de merde par contre. Lui, on va le toucher. Ok, headshot. Quoi. Ouais, je mets moins de balles. Hop, on swap sur le Glock. Le Glock, ça va pas les one-shot quand même. Mais combien il faut de balles avec le Glock. Oh, attends. Le nombre de balles qu'il faut avec le Glock. Boum, boum, boum. En fait, ça lance des petits couteaux, j'ai l'impression. Boum, bam, 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 bam. Oh là, maintenant, c'est incroyable, on est en flash. Pa, 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 pa. Oh, le film d'action. Oh, mais attends, mais Flash, tu l'aurais dû utiliser un gun depuis bien plus longtemps. Boum. Hop là. Ok, là c'est vraiment un peu trop. Ce qui se passe maintenant, j'active Flash, mais que je le cumule au one for all de déco. Voilà, ok, là je suis littéralement. Oh putain de bébé.
Et là normalement, bam. Ok, non, je l'ai bloqué. Oh, je l'ai bloqué, non, c'est terrible. C'est vrai que le one for all, on l'a vu dans la dernière vidéo, il marche très très bien avec justement le slow-mo. Sauf que ça fait même un problème de caméra, où en gros, là voilà, là je suis en slow-mo. Et si je tourne ma tête, genre à 180 degrés, là je regarde derrière moi, et le temps que la caméra se retourne, hop là, voilà, genre c'est un décalage. Ok, j'active le truc, donc là je suis en mode slow-mo one for all. Voilà. Et voilà, là, normalement vous avez pu voir la puissance, mais il faudrait plus l'axer comme ça, voilà. Là vous allez bien voir la puissance. Ok, normalement. Parfait. Ok, là vous voyez, vous comprenez peut-être. J'ose espérer que ça marche. Hop là, slow-mo comme ça. Là. Ok, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Ok, je viens de paniquer à cause du crash. Moi je voulais juste faire un essai. Là je suis en ralenti, justement, flash. Là, par-dessus, je rajoute le ralenti one for all. Ok, et là j'enlève tout. Ça fait totalement lag mon jeu. Ok. J'ai rien dit. Ok, j'arrête. Ok, nous y voilà. Là, on passe aux choses un peu plus sérieuses. On est tout simplement, voilà, dans le grand Coliseum. Oh, putain de merde, c'est big. Oh, oh putain, oh, je suis bien pas laissé. Non, pourquoi t'as bougé? Le one for all, c'est vraiment trop cheaté. Une deuxième, à la broche. À la place, je fais apparaître 9 gladiateurs. Honnêtement, non mais attends, mais même les gladiateurs, là, ils se chient dessus, là. Prépare tout ça, et ça, c'est les... Ah, non, non, non. Chut. Chut. Boum. Hop là, parfait, excellent tout ça. Ok, je vais l'exploser contre le mur. Oh, oh non, ça a trop bien marché. Est-ce que tout ça, déjà, peut le faire sous... Wow, ça nettoie, allez, hop, hop, hop. Faut que j'arrive à bien tous les paquets. Ok, je vais tous les paquets comme ça, voilà, exactement. On les fait tourner comme des zombies. Oh oui, voilà exactement ce que je voulais. Hop, t'avais une place au quatrième étage, voilà, parfait. Oh, oh, la main est passée sous la map là, c'est pas normal, attends. Hop, quoi, une place EF. EF, c'est juste là-bas, voilà, parfait. EF, exactement ici. Ok. Wow. Oh, c'est stylé. Hop les gars, on se pack tous bien ici, merci. Voilà, et on bouge pas d'ici, hein, on bouge pas d'ici. Ça arrive, attention la tête, attention la tête. Ok, ça lag un peu beaucoup là. Le PC, 1, 2, 3. Oui. Oh, je le maltraite tellement mon PC dans cette vidéo. Oh, lui là-bas, ça lui a coupé juste le pied, je reconnais. Oh, lui aussi, ça lui a coupé juste le pied. Oh, attendez, ça s'était planté dans... Les gars, si vous lancez des flèches, assurez-vous qu'elles peuvent pas revenir vers vous. Voilà. Oh, elle était bien lancée celle-là. Pile dans la tête celle-là. Très très bien lancée. Hop là, nickel. Ce ralenti là est vraiment n'importe quoi. Genre, je peux y aller comme ça. Hop là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comment ils partent. Ok les gars, pour cette phase finale, j'ai tout simplement full. Alors, je sais pas du tout ce qu'elle donne. Ok, déjà elle est un peu chiante parce que c'est une MP5, mais putain, en fait je suis obligé de faire un balle par balle. Pourquoi d'ailleurs, en plus j'ai l'impression que si je les laisse au sol, le jeu lag. Attendez, il faut que je recharge ça. Oh là là, ok, je vois l'idée. Oh, est-ce que j'ai réussi à l'avoir? Est-ce que j'arrive à l'avoir? Ok, j'ai réussi à l'avoir. Ok, la M4, elle est pas mal. Mais le problème de ce mode, c'est qu'il est bien. Mais regardez, dès que je mets trop d'armes au sol, on passe en mode ralenti. Genre là, c'est pas moi qui mets le ralenti. Ok, les gars, je crois qu'on va enfin pouvoir avoir notre combat flash contre un titan. Tout simplement, je crois que j'ai trouvé une map sur laquelle les titans marchent. On va pouvoir se frotter un titan. Je sais pas exactement combien de vie ils ont. Mais dans le doute, on va tester déjà en full. Il nous faut le one for all, juste pour une chose. Hop, pouvoir faire ça. Et boum! Attends, déjà? Voilà, quand même. Mais là, il nous faut le one for all juste pour avoir les sauts. Parce qu'il n'y a plus tous les équipements de SNK. Hop! On esquive! Hop, sur la jambe! Oh, je lui ai cassé la jambe, ok? Et là, je lui donne un coup dans la hanche. Boum! Oh, le titan! Oh, le titan! Oh oui! Oui! Hop là, ça, c'est le slow-mo flash aussi. On l'enchaîne de coups de poing au slow-mo flash. Ouais. Oh, petit saut avec elle. Ouais. Non! Oh non! Non! Oh putain, on est parti. Non! Non! Les titans, quand même, ils ont de la vie. J'ai envie de tester le boss niveau 1 qui a 500 HP. Qu'est-ce que ça donne? Je me demande si c'est un boss immense. Ok, non, c'est un mec normal. Tac, on va y aller en mode one for all. Le mot one for all direct. Déjà, là. Hop là. Est-ce que ça a suffi pour le tuer? Quoi? Il résiste à un coup de one for all slow-mo? Tac. Hop là! Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Il survit! Oh, oh, ça, c'est le combat que je voulais faire! Boum! Regarde-moi ce paysage. Chiu. Hop, je te casse le bras et je te démonte la gueule. Hop là! Et voilà, là c'est comme ça. Oh, je l'ai fumé par contre. Bon, après c'est un peu compliqué pour lui de se battre. Moi je tape tellement vite comme ça, vitesse éclair. Et genre là, en gros c'est comme si dans le film, je tapais des droites ultra rapides. Bam!
comme ça. Et là que je m'arrêtais pas de lui donner des droites. Même 500 HP, c'est abusé. C'est le boss de niveau 1. Imaginez-vous, ils prennent 500 HP par niveau. Et ça va jusqu'à 4 niveaux. Ce qui fait que le dernier a genre 2000 HP. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'au prochain épisode, on essaye de se taper un boss de 2000 HP. J'installerai vraiment le max de mode pour les enculer. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement. C'était JackBay9. Et sur ce, à plus, tout le monde. Stack on my cash, I got hype. Yo. Take advantage of the price. Check the man over in the hype. Yo. Just go home.